C'était un réel plaisir de vous retrouver encore ce soir pour vous informer. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande édition d'informations sur nos antennes. Vous suivrez dans ce journal une page magazine consacrée à la tournée du directeur de cabinet du ministre national de l'économie à Loufou, dans le district de Cataracte, à la frontière avec l'Angola. Et cette information, en bref, les forces démocratiques des libérations du Rwanda se disent prêts à remettre leurs armes à la MONUSCO et au gouvernement rwandais, a déclaré sur la Radio France Internationale le secrétaire exécutif intérimaire des rebelles rwandais. Le gouvernement congolais estime que la démarche est encourageante, mais la MONUSCO se montre encore prudente. Kigali a immédiatement rejeté la négociation proposée par les FDLR pour résoudre la crise au Rwanda. Ces groupes armés étrangers qui prétendent combattre le régime rwandais a commis de nombreux crimes en territoire congolais, a pour sa part tenu à rappeler le porte-parole du gouvernement de Kinshasa, Lambert Mende Omalanga. Plus question de circuler avec des véhicules sans plaques minéralogiques et de motos sans plaques et sans casque. C'est l'une des mesures prises pour sécuriser les personnes et leurs biens à Kinshasa à l'issue de la réunion de sécurité présidée hier dimanche 2 février 2014 par le ministre de l'Intérieur Richard Mouyege. Au cours de la dite réunion, il a aussi été question de la situation sécuritaire dans le reste de provinces, particulièrement dans le Katanga. Reportage. Plus question de circuler avec des véhicules sans plaques minéralogiques et de motos sans plaques et sans casque. C'est l'une des mesures prises pour sécuriser des personnes et leurs biens à Kinshasa. C'était à l'issue de la réunion de sécurité présidée hier dimanche 2 février 2014 par le ministre de l'Intérieur Richard Mouyege. Au cours de la dite réunion, il a aussi été question de la situation sécuritaire dans le reste de province, particulièrement dans le Katanga. Nous y reviendrons. Nous restons toujours dans le Katanga, pour vous dire que dans le cadre du programme de la démobilisation et réinsertion de forces négatives initiées par le gouvernement de la République, 150 éléments Maïmaï ont quitté Lubumbashi cet avant-midi pour rejoindre la base militaire d'Ekitona dans le Bas-Congo. Les détails avec notre correspondant sur place à Lubumbashi, Ricardo Boaka. Nous avons décidé de nous rendre afin que nous puissions servir la nation sous le drapeau. Raison pour laquelle nous lançons un vibrant appel à ceux de nos compatriotes qui traînent encore dans la brousse pour qu'ils se rendent à l'État congolais, qui nous a pris en charge, nous et nos familles également. Tel est le message lancé par plus de 120 Maïmaï qui ont embarqué à bord d'un avion de marque Boeing 727 à destination de la base militaire de Kitona dans le Bas-Congo. Et c'est en présence de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières Richard Mouyege Manguez-Mans, accompagner les officiers généraux de la police nationale et des forces armées de la République démocratique du Congo. De l'aéroport de la Luano, Ricardo Bakwa pour Antenne A. De retour de Addis Abeba, où il avait pris part au sommet sur la région de Grand Lac, François Mambati Chimbi affirme que la souveraineté de la République démocratique du Congo ne sera plus jamais remise en cause, même si ces rencontres au sommet procèdent par des logiques des petits pas. Le coordonnateur du mécanisme national de suivi est au micro de John Gomboa. Ils vivent sur le flanc est. Aurait souhaité, avec nous, au sens du gouvernement de la République du Congo, aller plus vite vers ce que j'indique, c'est-à-dire un développement et des avancées significatives sur les vécus au quotidien de tout le monde. Bon, ce sont des petits pas, mais quelque part aussi, il faut pouvoir apprécier ce que Dieu donne chaque jour. À chaque jour suffit sa peine. Qu'est-ce qui s'est passé exactement là-bas? Je l'ai dit, on s'est expliqué sur les problèmes qui se posent. J'espère qu'à partir de ces explications et de cette volonté d'aller de l'avant, on va pouvoir effectivement quitter ces terrains de suspicion. Nous retournons en province pour vous dire que dans le grand nord du Nord Kivu, les forces armées de la République démocratique du Congo gagnent de plus en plus du terrain sur les ADF Nalou. Précision de notre correspondant à Beni, Fiston Mahemba.
Les opérations Sokola 1 lancées par l'armée congolaise en territoire d'Ebeni contre les rebelles ougandais ADF ont connu des avancées la semaine écoulée. Des sources proches des FRDC indiquent que depuis le jeudi dernier, les forces armées de la RDC ont récupéré plusieurs bastions de ces rebelles ougandais sur l'axe routier Mbaou-Kamango à la hauteur du poids kilométrique 18 et 25. Des agglomérations de Chuchubo, Makoyoba 1 et Makoyoba 2 à ces centres de ravitaillement des ADF sont passé entre les mains de l'armée gouvernementale, mais aussi la localité de Totolito, un des centres d'instruction de ces rebelles, a été récupérée par les FRDC. Parlant du bilan de ces récents combats, le général Lucien Bauma Ambamba, commandant des opérations Sokola 1, parlait des 32 rebelles ADF tués et un militaire tué, trois autres blessés du côté de l'armée régulière. Cette avancée est saluée par la population civile de la ville et du territoire d'Ebeni. Elle salue aussi les soutiens de la brigade de l'ONU au FRDC dans cette traque. Elle dit attendre de ces opérations la libération des otages et la totale neutralisation des rebelles ADF. Fiston Mambalarous à Beni pour Antenne A. De retour à Kinshasa, les députés nationaux ont voté en seconde lecture ce 3 février 2014 la loi portant pour amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques. La loi indique que toute personne, auteur ou co-auteur ou complice des faits infractionnels commis sur le territoire de la RDC au cours de la période allant du 1er juillet 2003 au 20 décembre 2013 est éligible à l'amnistie. Laïne Mofando-Mbungu pour la suite. Sous la direction du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, ont auparavant approuvé le rapport de la commission politique, administrative et judiciaire de la Chambre basse du Parlement relatif à la loi portant amnistie avant de l'adopter. Ce texte de loi couvre le fait cité, à savoir insurrectionnel et infraction politique commis sur le territoire de la République démocratique du Congo au cours de la période allant du 1er juillet 2003 au 20 décembre 2013. La loi d'amnistie du 19 décembre 2005 avait une portée générale, contrairement à celle du 7 mai 2009, qui était limitée aux faits infractionnels commis dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Au terme de ce texte de loi constitué de 7 articles, on entend par fait insurrectionnel tous les actes de violence collective commis à l'aide de menaces ou avec des armes dans le but de se révolter contre l'autorité établie et en vue d'exprimer une revendication ou un mécontentement. Selon l'article 4, sont exclus du champ d'application de la loi les crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre. La liste n'est pas exhaustive. Sa promulgation est l'un des engagements que le gouvernement avait pris lors de la signature de la déclaration marquant la fin des pourparlers de Kampala avec les rebelles du M23. Et nous quittons le Parlement pour l'hôtel du gouvernement où on a parlé du processus de dédollarisation de l'économie qui commence à porter ses fruits suite à la stabilité du taux de change. Mais l'évolution de l'économie mondiale ne rassure pas le membre de la Troïka stratégique qui prône les réformes profondes et la diversification de l'économie pour résister aux chocs extérieurs. Jean-Louis Miasukama y reviendra. Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, à ce lundi 3 février 2014, rassurer la Commission électorale nationale indépendante de M. Labbé Malumalu du soutien de la communauté internationale pour le processus électoral 2014-2016. La CENI pour avancer a également ouvert depuis ce lundi un séminaire de formation au profit de 26 secrétaires exécutifs provinciaux. Les détails avec Eric Izami et David Tembeni. Le débat à l'Assemblée nationale lors de la présentation de la feuille de route a été houleux. La CENI, elle, fonce et s'active sereinement à gagner son pari. D'abord, je crois que le débat fait partie de la démocratie. Et donc, on ne peut pas s'étonner qu'il y ait un débat sur les options électorales. Le débat, nous devons maintenant le canaliser et nous avons des lois et des règlements pour le faire. Chacun a un rôle à jouer, mais chacun n'a qu'à jouer son rôle. Aux acteurs politiques d'être force de proposition, aux institutions d'encadrer tout cela, et à la CENI d'annoncer le calendrier électoral. La CENI, en effet, a ouvert lundi 3 février au Centre Nganda le séminaire de formation à l'intention de 26 secrétaires exécutifs provinciaux nouvellement nommés et 30 cartographes pour réussir l'organisation des élections. Les pourparlers ne cessent pas pour autant avec les partenaires, d'où la rencontre toujours lundi 3 février avec Martin Kobler, visiblement prêt à soutenir la CENI.
notre tâche de la MONUSCO aussi de rassembler les bailleurs, de coordonner avec les bailleurs pour financer le processus électoral démocratique dans le pays. Les uns et les autres en RDC ont déjà pris goût au jeu démocratique dans ce sens que l'on ne peut accéder au pouvoir qu'après avoir été élu par le peuple souverain. D'autre part, les bâtisseurs pour la renaissance d'un Congo uni, BRCU en sigle, se sont réunis le samedi 1er février au siège de leur parti dans la commune de Ngalema pour le change de vœux, une occasion pour cette formation politique de procéder à la présentation de sa feuille de route 2014. Lilas Ndani. Plusieurs membres du parti politique Les Bâtisseurs pour la Renaissance d'un Congo uni ont pris d'assaut le samedi 1er février 2014 leur siège social pour échanger les vœux de Nouvel An. À la même occasion, il a été présenté la feuille de route du BRCU pour 2014. L'occasion est de vous présenter les vœux les meilleurs de prospérité et de longévité pour l'année 2014. David Iyolo Wekonda, président du parti, a adressé des mots d'encouragement au chef de l'État. Il a, par ailleurs, suggéré que les opposants et les membres de la majorité présidentielle s'unissent en vue d'œuvrer ensemble pour un Congo uni. L'État et Kabila, pour avoir traversé une année difficile pendant toute l'année 2013, qu'on soit de la majorité ou de l'opposition, on est interpellé à apporter des solutions. Et nous, BRCI, nous proposons ça à la nation, au chef de l'État, pour que ça soit une solution. À ce niveau, nous disons qu'il faut absolument réfléchir. Et nous avons des propositions. Si vous le souhaitez, les cas échéants, nous allons le mettre à la place publique. Le BRCU appelle tous les politiques à s'inscrire dans les schémas de l'apaisement des masses. Et un mot en santé, avant de passer à autre chose, le secrétaire général à la santé a eu une réunion avec le partenaire de la santé ce lundi 3 février à Gombe. L'objectif était d'analyser les processus de lutte contre la mortalité infantile en République démocratique du Congo. Patricia Bassois et Giselle Bélébélé. La mortalité infantile est un problème récurrent de santé publique en République démocratique du Congo. La réduire est un objectif pour lequel le gouvernement bénéficie de l'appui de la Banque mondiale, de l'UNFPA, de l'OMS, de l'UNICEF et autres. Mais il est nécessaire, sinon indispensable, de coordonner les actions de différents partenaires. En effet, sans bonne coordination, les efforts et contributions des uns et des autres court le risque d'être vain. Cette réunion du gouvernement congolais et ses partenaires, la première de l'année 2014, est donc l'occasion pour organiser le travail, répartir les charges dans la lutte contre la mortalité infantile. Il faudrait offrir les soins de santé de qualité à toute la population partout où elle se trouve, mais en se focalisant surtout sur les groupes vulnérables. Et ces groupes vulnérables, ce sont les femmes, les enfants et les nouveau-nés. Donc ça, c'est une vision. Et par rapport à cette vision, comment la transformer, nous avons une stratégie sur le renforcement du système de santé. On s'est dit, même s'il y a des ressources humaines, des ressources financières, si les centres de santé ne fonctionnent pas, si les hôpitaux ne fonctionnent pas, il n'y aura pas de résultats. Donc il faut renforcer le système de santé. Donc et par rapport à ce renforcement du système de santé, nous passons à sa mise en œuvre à travers le plan national de développement sanitaire. Cette réunion s'étend sur 5 jours, car les partenaires doivent descendre sur terrain pour se rendre compte de la réalité dans certains hôpitaux et centres de santé afin de statuer sur leur rapport. C'est le vendredi 7 janvier 2014 qu'un débriefing sera fait avec le ministre de la Santé, le docteur Félix Kabangé. L'Institut supérieur de l'informatique, programmation et analyse ISIPA a organisé le 1er février la cérémonie d'échange de vœux entre la haute direction et les personnels. À cette occasion, les promoteurs de l'ISIPA, l'ingénieur Martin Ekanda Onya Ngunga, a encouragé son équipe à porter toujours haut l'étendard afin d'accroître la renommée de l'ISIPA, Len Bufando Mbungu et Blaise Lunda. C'est en présence de plusieurs invités que s'est déroulée la cérémonie d'échange de vœux de l'ISIPA, une cérémonie riche en couleurs, marquée par différents témoignages allant dans le sens d'encourager les promoteurs de cet institut, l'ingénieur Martin Ekanda Onyangunga, pour son investissement dans l'éducation des Congolais. Il faut investir sur la connaissance. C'est la matière première la plus importante pour le décollage de notre pays.
dans ces chantiers d'éducation avec la jeunesse, des connaissances, mais également de la pratique. Dans les mêmes ordres d'idées, plusieurs diplômes de mérite lui ont été décernés pour son sens de patriotisme. L'occasion a été également propice pour cette institution d'enseignement supérieur privé de présenter au grand jour son centre de compétences. Par ailleurs, pour récompenser ou mieux reconnaître le mérite de chacun, durant l'année 2013, des échanges de cadeaux ont eu lieu entre le comité de gestion et le couple Ekanda, qui du reste s'est dit flatté. Je ne voudrais pas aller très loin. Le cocktail que nous avons offert tout à l'heure est un signe que réellement, nous apprécions non seulement le travail que vous faites à nos côtés, mais aussi les différents regards et encouragements que nous recevons. Ensuite, les personnels de l'ISIPA et autres invités ont reçu des cadeaux par tirage au sort de la part du couple Ekanda. L'ambiance, il y en a eu en tout cas. La soirée a été agrémentée par l'orchestre Makwandungu de l'ISIPA. Domestiqué désormais avec les rayons du soleil avec l'assistance de la firme ANG Trading Spirel, cette dernière a présenté le week-end dernier le gamme de produits solaires. Nos reporters ont été présents au Grand Hôtel Kinshasa et vous proposent ce reportage. Avec l'avènement de l'énergie solaire, il n'y a plus de différence entre les milieux ruraux et les centres urbains. En effet, il suffit de contempler toutes ces gammes, composées notamment de lampes solaires, des lampes qui éloignent les moustiques dans un périmètre de 2 mètres à l'aide de l'ultrason, des kits pour purifier l'eau et des chargeurs solaires, pour comprendre que la solution est désormais à la portée de main. Quels en sont les avantages? Vous avez une certaine autonomie, c'est-à-dire vous ne dépendez que du soleil. Et nous, ici au pays, nous avons du soleil à gogo. Ça veut dire que nous pouvons résoudre nos problèmes d'électricité avec des produits solaires, comme ceux qu'ils sont en train de présenter. Avec le système, ce système, vous avez votre électricité, mais quand le courant part, la télévision ne s'arrête pas. Au moins, vous pouvez continuer à suivre votre télévision, votre match, et ainsi de suite. Ainsi résoudre le problème. Vous avez continuellement la lumière quand vous avez besoin de cette lumière. C'est-à-dire vous êtes chez vous à la maison ou au bureau ou partout, vous devez travailler, vous avez la lumière quand vous en avez besoin. La plupart donc de ces produits, comme vous voyez, ce sont des produits de très haute qualité. C'est vrai qu'on est très habitué aux produits qu'on nous présente. Vous l'utilisez juste pendant une semaine et puis vous avez des problèmes. Mais ici, on peut vous rassurer que vous avez ces produits, vous êtes calme pendant un certain nombre de temps. Comment fonctionne-t-il? Les ingénieurs italiens Angelo et Marco précisent. Vous avez un petit bouton pour activer l'ultrason et vous avez aussi un petit bouton pour activer les deux, l'ultrason, je vais être honnête avec vous, l'ultrason et la lampe. Choisir ou l'un ou l'autre. Ou sinon, si vous estimez que 2 heures c'est suffisant, ben vous laissez les deux activés, quoi. Si vous laissez rien que l'ultrason, vous avez une autonomie de 10 heures, sans problème. 10 à 12 heures d'autonomie. L'ultrason ne consomme pas beaucoup, hein. 2 mètres, les moustiques ne s'approchent pas, quoi. La firme Hang Trading est implantée en République démocratique du Congo pour faire non seulement des affaires, mais aussi pour investir en faveur des orphelins. Nous allons à présent lire le journal paru à Kinshasa dans une sélection et commentaires d'Eric Izami, revue de presse. Bonsoir. Écho des partis politiques en RDC, UDPS, les dessous du voyage d'Étienne Tshisekedi wa Mulumba aux États-Unis d'Amérique, c'est le titre de Dépêche de Brazzaville de ce matin. Ce journal révèle que, sauf imprévu, le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, arrive à Washington, D.C., mardi en provenance de Kinshasa via Paris en France. La présidence de l'UDPS évoque une visite de prière et de travail. L'enjeu principal de ce déplacement tiendrait, d'après maintes analystes, de la volonté des Occidentaux à convaincre l'ex-challenger de Joseph Kabila à la présidentielle de 2011 à tempérer ses ardeurs de président autoproclamé pour rentrer dans les processus électoraux en s'inscrivant, si besoin s'en faut, dans la perspective de 2016. Certains esprits tentent d'établir un lien entre cette itinérance et l'obligation faite aux dirigeants africains par l'administration américaine de respecter les constitutions de leur pays et de ne pas aller au-delà de mandats leur accordés via des retouches récurrentes des lois fondamentales.
Ces rebondissements presque inattendus détiennent Tshisekedi wa Mulumba sur le plan diplomatique et loin d'être un fait du hasard et dissimulerait bien de sous-entendus, c'est convaincant. La prospérité titre cycle électoral 2013-2016, Malou Malou, la balle dans les camps des députés. Retombée de la feuille de route de Malou Malou, l'UNADEF, Charles Mondo Simba, s'y lance dans les préparatifs de la bataille électorale. L'opposition rejette, elle, la feuille de route Malou Malou, équation à mille têtes. A son tour, la référence plus mentionne à sa une, PCA de la Gécamine, président de la FEC, l'administrateur à la Banque centrale du Congo, Albert Yuma, renvoyé aux études. Le guide note également à sa une, accusant de planter les décors de la fraude électorale, l'opposition demande à Malou Malou de démissionner. À l'instar du fantôme du château, l'image de l'abbé Malou Malou hante terriblement l'opposition politique congolaise qui, à chaque fois, craint la résurgence du passé caractérisé par la fraude électorale. Alors qu'il vient de déposer son plan d'action au Parlement, les opposants politiques congolais dénoncent d'ores et déjà le décor de la fraude électorale que ce prêtre séculier plante. Repoussé, M. l'abbé Malou Malou, qui est accusé de diriger la CENI par défi et en violation de l'esprit de la cohésion nationale, est par ailleurs taxé d'user de la tricherie à outrance. Un autre sujet d'actualité abordé depuis le week-end par les journaux fait mention de l'affaire Ferouzi Kaloumé contre Alieu Mohamed Kanté. Africa News note dans son headline « Dangereuse dérive de Wivine Mumba ». Pour ce journal, la ministre de la Justice et Droits Humains confond tout. Elle donne instruction à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe demandant à son président de se dessaisir d'une affaire en cours visiblement pour satisfaire les désirs démesurés d'un expatrié. La RDC est devenue une jungle. Sinon, on ne comprendrait pas comment et pourquoi une ministre en fonction peut-elle avoir des ailes d'interférer sans moindre gêne dans une affaire judiciaire en cours, foulant au pied la constitution de la République qui consacre la séparation de pouvoirs. Wivine Mumba Matipa, ministre de la Justice et des Droits Humains, confond ses fonctions à celles de magistrats, juges et autres officiers de la justice. Dans une correspondance officielle adressée au premier président de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, sur l'affaire opposant deux associés de la société Congolese Wireless Network SPRL, dont Ferouzi Kaloumé et Mohamed Kanté, Mumba donne injonction au premier président de cette juridiction, lui demandant de rendre un arrêt de dessaisissement au profit de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OADA. Une grave entrave à la justice nationale, pourtant compétente pour trancher sur ces différends, dont un arrêt au premier degré condamnant à lieu Mohamed Kanté avait déjà été rendu. C'est tout pour ce soir. Merci. Il n'est pas question que le marché de Loufou soit fermé. Affirmation du directeur de cabinet du ministre de l'économie nationale, Daniel Moulenda. Il est juste question de les moderniser et faire en sorte que les lois du pays n'empiètent pas la traçabilité des recettes de l'État. Il l'a dit à l'issue de la tournée qu'il a effectuée pour faire l'inspection du volume de transactions afin de contrer la fraude. Daniel Moulenda était à la tête d'une forte délégation dont le secrétaire général à l'économie. Dieu merci, Nzob Mabiala vous propose l'essentiel de cette page magazine. Ici, nous sommes à Loufou, à près de 320 km de Kinshasa. Ce marché est situé à la frontière de la RDC et de l'Angola. Le directeur de cabinet du ministre de l'économie, Daniel Moulenda, à la tête d'une forte délégation, s'y est rendu dans l'objectif de faire l'inspection du volume des transactions entre les commerçants des deux pays afin de contrer la fraude systématique qui s'y est du reste installée. Aujourd'hui nous sommes à Loufou parce qu'il se pose un problème à Loufou. Les entrées massives de produits fabriqués en Angola, mais pour lesquels on ne retrace pas une contrepartie en termes de recettes. Le comité de suivi des prix a relevé ça comme un fait de concurrence déloyale, parce que d'autres opérateurs payent les taxes, tandis qu'ici, il s'est érigé un réseau mafieux qui fait entrer des produits clandestinement sur le territoire congolais. Et nous avons été avec le directeur provincial de l'OFIDA, de la DGDA, le directeur provincial de l'OCC, avec leurs services, la DGM,
la quarantaine et nous avons compris le problème. C'est-à-dire que les marchés qui étaient d'abord un marché transfrontalier destiné aux riverains des deux côtés est devenu aujourd'hui un marché international. L'accord signé en 2005 entre le Congo démocratique et l'Angola fait de ce terrain neutre un marché de troc de biens à biens. Malheureusement, les commerçants angolais y déversent des conteneurs des 40 pieds, contrairement aux paisibles congolais qui se présentent avec des produits de la cueillette. En même temps, un réseau mafieux s'y est installé en piétant ainsi la traçabilité des recettes de l'État. La conséquence, c'est qu'il y a coulage. Quelques agents de sécurité ont d'ailleurs été appréhendés, la main dans le sac, percevant illégalement des taxes sur les marchandises. Tu sais, c'est par hasard, Major. Je ne sais pas si je vois un cher candidat charnier. Mais je demande au policier, lui, de la Un autre fait constaté, c'est que les couleurs reçoivent de l'argent des commerçantes pour négocier avec les responsables de la frontière et assurer eux-mêmes la traversée de la dite frontière. Une fois sur le territoire congolais, le volume réel des marchandises est reconstitué. Après la ronde du marché, le directeur de cabinet et le secrétaire général à l'économie ont eu une séance de travail regroupant les importateurs et les différents responsables à la frontière pour étudier le problème. Il en ressort ce qui suit. Nous voulons d'abord remercier le gouvernement d'avoir pensé à envoyer toute une équipe pour venir vérifier et voir de visu ce qui se passe ici au marché frontalier de Loufou. Les discussions que nous avons eues ensemble avec toutes les parties prenantes au commerce frontalier ont été très bénéfiques. Ce que nous pouvons retenir, c'est que le gouvernement veut véritablement s'engager à accompagner les services œuvrant aux frontières dans la lutte contre la fraude. Effectivement, il y a quand même du désordre, beaucoup de désordre ici. Et cette volonté affichée par le gouvernement nous encourage et nous voulons que les mesures qui ont été prises ici, les propositions qui seront faites au gouvernement, trouvent rapidement des réponses pour que nous puissions effectivement aider le gouvernement à renflouer les caisses de l'État par la perception de manière efficace des recettes de l'État. Au niveau, n'est-ce pas, de l'OCC, la prise en charge de marchandises s'est faite conformément, n'est-ce pas, à ces normes de gestion et à ces normes de travail. Il a en outre été décidé la création d'un couloir pour les riverains et un autre pour les commerçants. Si les recommandations de la séance de travail ne sont pas respectées, des sanctions vont tomber. On doit retoucher l'accord. Parce que dans l'accord, il s'agissait des produits de la cueillette. C'est-à-dire les produits cultivés par les riverains, des deux côtés. Or aujourd'hui, nous voyons l'engagement de beaucoup de produits industriels. N'est-ce pas ? Et que tous ceux qui interviennent dans les circuits commerciaux respectent les lois de la République. Que ce soit les étrangers ou les nationaux. Ce qui est aussi mon bécoté, je vais vous faire. N'est-ce pas? Je vais vous faire tout le monde. Je vais vous faire. Parmi les options levées à l'issue de cette tournée figure, la modernisation du marché, la concentration des services percepteurs à côté du marché, l'installation d'une succursale, d'un guichet unique pour la paie des taxes et la réhabilitation de la route qui se trouve dans un état de délabrement total. Ça sera donc tout pour ce journal. Merci à vous tous qui l'avez reçu chez vous. Le prochain, c'est demain à partir de 7h30. Je vous retrouve demain à 19h. Au revoir.